Bon, maintenant, allons-y avec l'un de mes moments forts de la journée. Avec le dernier match que j'ai joué hier au 12 mars. OK? Et pour moi, Henry m'a vraiment déçu à ce moment précis-là. Pas parce que, OK, il a été très bon dans les 4 premiers matchs, mais du fait que il a décidé de spammer pour venir me battre. Mais il n'a pas réussi à gagner à mort subite. J'ai juste pris mon temps parce que je savais qu'il allait juste me spammer des attaques spéciales. Lui, il savait peut-être que j'allais faire une attaque aérienne, c'est sûr et certain. Mais si je le faisais au bon temps, pendant qu'il esquivait, ma victoire était assurée, là. J'avais juste besoin de prendre mon temps, vu qu'il restait et qu'il restait sur place. C'est pour ça aussi que, à cause des esquives arrières qu'il faisait, j'étais capable de le saisir une fois de temps en temps. Au début, c'est pas si pire, mais ça va être après que ça va être le problème. Qu'on voyait un peu de difficulté, là, Henry, là. Et après ça, il va juste chercher à utiliser le double saut. Puis à se protéger à la fin pour essayer de me l'emporter en mort subite. Mais j'avais pour mission d'éviter qu'il gagne la partie en mort subite. De cette manière-là. Vous voyez, gardez. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, un smash météor. Juste pour lui voler ça. Après ça, un end slash sur Austin. Qui marche bien. Un deuxième KO. Rapide. Oui, ok, je mène l'avantage. J'étais à 91% de dégâts. Mais que va-t-il se passer pour que Henry puisse faire le rattrapage? Bel essai, Caleb. Il y a juste celui que t'as un meilleur timing. C'est juste une question de synchronisation de ton smash pour m'atteindre avant que je t'atteigne avec mon coup. Un troisième KO pour moi. Je suis à 40% de dégâts. Bon, ok, bien joué là pour le smash. Pour moi, ça a causé un problème, ça. Et oui, j'ai réussi. Pour moi, c'est juste ça qui me dérange. C'est tout le temps le double saut. Moi, de Zelda. C'est toujours ça qui me dérange. Quand je vois que quelqu'un essaie de le faire à répétition, ben moi, je préfère mieux m'en aller parce que j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Vraiment pas. C'est comme pour un joueur de Pac-Man qui me lancerait constamment ses fruits dessus. Ben, qui m'utilisait constamment. La bonne fontaine. Maman, dérange-moi pas, je suis en vidéo. Pour moi, ça m'empêchait de pouvoir mieux me diriger, mais j'ai très bien fait ça. J'ai très bien fait ça dans l'ensemble. C'est juste que lui, il a été, disons-le, chanceux de pouvoir se rendre au moins jusqu'à mort subite. Mais comment c'est pas la même technique tout le temps à chaque fois. C'est bien beau qu'on fasse un peu de ski avec Zelda, mais quand je vois que vous voulez l'utiliser à répétition pour vous sauver avec la victoire, avec tout le temps la même attaque. Pour moi c'est sans appel. Pour moi c'est sans appel. Je sais, ok, que j'allais. J'ai l'air sérieux puis sévère un peu, mais. Tu comprenez-moi un peu, moi ça m'écœure. Fait que je veux savoir résister par rapport à ça.
Mais si il faut qu'il faut qu'il y ait une mort subite pour que je suis obligé de la remporter, je vais la remporter. Moi, il m'est déjà arrivé à quelques reprises de faire un rattrapage, mais des fois, il s'est déjà arrivé une ou deux fois peut-être que c'est arrivé genre durant les 5 dernières secondes. Un double KO, ok, et je me retrouve en mort subite contre l'un des joueurs. Ça a déjà arrivé une fois avec Hyde contre un Lucario. C'est quand même assez drôle. Tu sais, je tue le Lucario puis le Link en même temps. Puis la dernière seconde, temps écoulé, égal avec le Lucario à +1. Ça, c'était drôle ce bout-là. En plus de ça, on a encaissé deux coups durant la mort subite. Un coup, chacun. Qui aurait pu être une mort certaine pour nous deux. C'était quand même assez drôle, cette mort subite-là. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Ok, l'histoire dans tout ça, ben, est fort simple. Arrêtez d'attendre après moi. Moi, je sais mentalement dans ma tête que vous allez utiliser les attaques spéciales. Pour moi, c'est pas une surprise. Je le savais déjà. J'avais juste besoin d'être patient et d'y aller au bon moment. Et si il faisait une esquive arrière, j'ai juste besoin d'attendre un petit peu et voilà, je t'ai eu. Puis merci d'avoir fini ça sans quitter. Par après, merci. En tout cas, t'es un bon joueur, Henri, mais j'ai réussi à gagner 4 fois sur 5 contre toi, là. C'était un coup de chance, c'est sûr. Bref, j'ai été maladroit quand j'ai joué le truc la première fois. Ok, c'est beau. On peut en revenir, mais si je suis capable de bien rebondir comme que j'ai fait avec Dracaufeu, toi, tu serais autant capable. Mais c'est sûr que tu avais de la difficulté avec Zelda. Au moins, félicitations d'avoir réussi quand même te rendre à mort si vite. Mais pour moi, tu méritais pas la victoire. Fait que je me suis arrangé pour pas que tu l'emportes. Moi, on peut dire que j'avais le momentum à partir de là. Puis à la fin aussi. J'avais le momentum. Ça n'a pas changé. Puis il n'y a personne parmi ces trois joueurs-là qui ont pu faire. À part Henri, de pouvoir penser la balance de l'autre côté. Ouais. Mais en tout cas, bel essai quand même. Ok? Mais moi, ce qui me gosse avec Zelda, c'est juste ça. C'est juste utiliser ça pour mettre KO ses adversaires. Mais il n'a pas juste utilisé que ça, à ce que j'ai remarqué. Mais c'est juste ça, la petite patente qui me gosse tout le temps. C'est juste cette patente-là qui me gosse tout le temps. Moi, je le cherche toujours à l'éviter, puis à faire un chemin par après, c'est sûr. En tout cas, Seigneur, j'ai bien fait ça contre Austin et Caleb, hein? Mais Henri, à la fin, j'ai essayé de pouvoir le toucher. Mais il fuyait. Je sais pas, il aurait dû essayer de l'emporter à la guerre à la place pour se rendre à la mort subite. Puis en fin de compte, tous ses efforts n'ont rien servi. Mais en tout cas, il a été chanceux, hein? Mais pour moi, il aurait fallu quelque chose de plus pour qu'il puisse remporter la victoire. Ok, peut-être que c'était chiant pour lui, pour lui voler un point. Mais pour moi, c'était justificatif. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois. Ok, au moins, vous avez tous bien joué, puis bravo.